الزلف اللوان تسجيل تسنقذ غالب دان وطن 51 الناس سندا نهضر في يوث فيديو تكيد يخدم الدكتور سعيد سعدي السكير 13 ثوفر تيريث وين منقار مراد دهينا يتيدير عند لا سويس الى ديون وعقال قبور نو كافرن الفيس سيدي خمنو سنكير يوثك نيت فيديو عندها ايدي مسلاي يتصغ في دكتور سعيد سعدي سايت سادي اسمني في وكنس ديال السويديوت غاسو لما ويورا ثانيومي شكوري ولا جوسكا دات لامبورتونس دو ريبوند او بروفوكاسيون ماشي المواد هنا في كل تلام زوغو ثاس ديال وراي دكتور سايت سادي فورس سيرونيت سي وكنس ديال ماشي تيريغيت كان انت تيريغيت ياك انا دي سيرداسن ايتزيريان لي ميليتير الجيريان اللي مسمى كيس اسم الفيديو تكيان اسمها ياس بريميس de l'islamo-militarisme et perspective. Nous avons un Kamal Ambaria qui nous a nommé cette vidéo. C'est qui est-ce que Kamal? Azul le Kamal. Azul le Rachid, Azul le Kraudi Tula. Kamal, qui est-ce que nous sommes en Zouarou? Oui, il faut la dernière chose que nous avons fait dans le Kraudi, 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 quels sont les grands axes de réponse du docteur Saïd Sadi Adhina et ses affidés? Justement, Rachid Saïd Sadi, il raid justement, il y a une vidéo intérieure de Mourad Adhina, suite et d'huile, nous avons justement l'intervention de Saïd Sadi BRTV. Donc, Mourad Hina, Amidili, reste dit Saïd Sadi, à Khatar déjà, juste pour Mourad Hina, déjà, en quelque sorte, Amidili, il a voulu déjà rencontrer Saïd Sadi, Saïd Sadi a refusé. Donc, Mourad Hina, c'est comme si Twelankini, il cherche une certaine légitimité démocratique, il veut l'avoir à travers Saïd Sadi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saïd Sadi, il a compris le jeu, il n'est ça sera la dernière. La dernière réponse, ce sera la dernière parce qu'il a compris qu'il s'agit de cette polémique que cherchent justement les islamistes à travers Dina, donc Rachad. Donc ça, c'est à Dines, ça sera, on peut dire, la dernière réponse. Il va éviter justement ce cercle-là vicieux de polémique parce que nous n'y sommes pas. Kenektoulankina, justement, Mourad Hina, Tharbathan Rachad, principalement Mourad Hina, il cherche cette légitimité-là en essayant de dialoguer avec un démocrate qui est nommé Saïd Sadi. Donc, c'est pour ça que justement, les grands axes, on peut dire, Saïd Sadi, un, d'abord, il répond à un certain nombre de questions polémiques, Wayne Ishoudena des accusations. Le deuxième grand axe, ce sont les questions politiques, Wayne Ishoudena, Itmourli, Ndougdout, la démocratie. Le troisième point, c'était les perspectives, les sorties de crise. En essayant de répondre à Mourad Hina, et Saïd Sadi termine sa vidéo, son intervention, en lançant un message aux militaires algériens. Hakarachid Soumata, Dachid Diwsen, Feririt, Saïd Sadi, Nishuddin Atas, Nmsel. Et c'est pour ça, justement, Ismaïs, prémisse de l'islamo-militarisme, a khatar Adabun el-Zayr, depuis 62 même, on peut dire, le régime est tenu en s'alliant avec les islamistes pour bloquer, justement, toute alternative démocratique. L'ennemi de la démocratie, Blikhnu Libra, Tukdut, el-Zayr, Venen Menhu, Adabun el-Zayr, de les islamistes. Ce sont les deux composants. Politique, on peut dire, dans la société, nikhdmen à barrage, et wakken jamais tili tukdout, ikhmourt nil zayr. Et c'est pour ça, là toujours l'alliance des zen, à khatar d'ouidek neylen, ou l'bganara tukdout, ikhmourt nil zayr. Aka Rachid Soumata, Dachid Diwsen, teririt n'saïd saadi, que la dernière vidéo nikhdem assa. أكيد نيض كمال هذه الفيديو تكيرنا يكسع نزل أزكن ساعة 30 دقيقة مستعد في ثانة تنقويض هناك إنيان تم زواموث ذغانتين يشدن لي بوليميكا كي قلنا نكا ويفون عبد نيض كمال
la chute de quoi il s'agit concernant la réponse aux polémiques. اين اين ترى لا بوليميك نيل مرد هنا سوا دي زون بعد تلعب لي سبوز دي كيستيون اني شودن شران تمثال لا ريلاسيون سايد سعد واحد مديان واحد لا بوليس بوليتيك الدارس اكسيترا دو دابو الجزائر الواحد لي زاكوزاسيون شران بور لي زونسيان كومبانيون سايد سعد غير شران دانت لي زاكوزاسيون كان يديوزان صغور صور كابيتان عبود كاس اسمه سعيد سعدي دونك ذا كثير اللي ندير سعيد سعدي اذا ند باللي شرا لي زاكويزاسيون نيلان كونتر سعيد سعدي سعيد سعدي ريسن انس لا جوستيس انديبوندون سي دريبات دو لا جوستيس دين فرنسا ان لا اتاكي با مال دو بيرسون كي لون اكوزي سور ان سارتون نومبر دو كيستيون في حليب ابن ابن جبد اسمون سعيد سعدي اوي كان دو كوز Et donc, ça nous fera les différentes accusations. La police politique. Il s'est posé la question où est la relation entre la police politique, il a répondu à toutes ces questions-là. D'abord, le RCD, par exemple, donc nous, يتزورا إند سعيد سعدي إند كلارمون بلي ثيكتين سن ثبان مولاش لا ديسوليسيون دو لا بوليس بوليتيك والزمير أتيلي تسرتيت في المورث من الزاير ني غاتفغ ميم ثمورث كلا كريز نتلا سادير لو بلوكاج إلينمي نيميرو أن نتمورث سي لا بوليس بوليتيك إنك سعيد سعدي نسميها سلمالك نير لا بوليس بوليتيك نير دي ار اس نير لا اس ام نير ان كيبغي نير دي اس اس نان كيبغي يبدل اسم لا بوليس بوليتيك لا بوليس بوليتيك ريبريزونت ان دونجي اي ان فران بور لو ديفلوبمون اي لا سورتي دو كريز ديال الجزائر اي جوستمون سعيد سعدي يجبد ذا تخدم اش يخدم الدي ار اس اش يخدم توفيقون بيرسون كونتر لو ار سي دي اسمي توغيلا سعيد سعدي اسابت يند باللي توفيق سيمانيس يخم دان جروب سبيسيفيك باش يتجلو ار سي دي جوست يثدو كان ياتي لي كان كلا كابيل سي دادير il faut pas que les idées de la démocratie les idées du combat démocratique les kiwin ndugdouth il faut pas يعدين يفرونت يثمرثن القبائل خاطر ما لا فرونت تكتوين ندوكدوث ça devient un danger pour le pouvoir algérien parce que ça veut dire l'alternative démocratique. Et donc, c'est pour ça que justement, la police politique a tout fait pour casser toute possibilité d'expansion de l'alternative démocratique. Il fait ça et ça donne bien. Il n'est malgré la fraude, malgré les attaques Nilan, le RCD et Wot, et Sawot, المدينة الدربح 29 كومون فرنت يثمر في القبيل وين نتذغ التوفيق سيمانيس أي لان يوثا أمي إلفا ديسو درون بو دير كريي دي بروبلام يدي سغلي مرة لي كومون لان يجري بار لو RCD دونك اللي فات في كومون دايور ميم إلا يو المير نتوليكس مير بريان إلا يتي ميم أون بريزون Donc, Houthen, par tous les moyens, justement, pour casser cette dynamique et à ce que, justement, l'alternative démocratique, il ne faut pas faire le RCD, ils mettent des crimes, justice à l'ancrage de la Kabylie pour le contenir. Et justement, dans ça, c'est ce que je dans le Toufik Simanis, qui a donné ordre à ce que le RCD a des crimes. À 10 ans, juste 19 députés, et d'ailleurs, même c'est vrai, c'est même quand même aussi pour le FFS. Il a le canon de Karm, mais 20 députés, ça a le droit à l'initiative d'un projet de loi. Donc, ce groupe-là parlementaire, on a tout fait pour empêcher justement à ce que le RCD 10 ans, 20 députés, et ce qu'il dit 19, donc avec la fraude, donc tout est calculé, c'est des quotas. Donc
وساعد سعد الدين بارابور جوستمون يتنقل الى بوليس بوليتيك. يعني سعد سعد الى ايكري لو 25 مارس 2019 ان يهضرد في لو روتور اي لي مانيبيولاسيون دي ريلي دو توفيق اون اسيون جوستمون افون لا ديستيتيوسيون دو بوتفليقه. يعني il voulait revenir faire la promotion de Zerouel pour assurer cette transition. Donc dans une marche le 20 le 20 enfin le vendredi, donc c'est le jumaa, ani علقن un grand poster géant de Zerouel qui va justement de préparer l'opinion que Zerouel pourrait être, on peut dire, il pourrait assurer cette transition de Moutil Zaïre pour sauver justement le système, soi-disant parce que Zerouel, Zama, soi-disant, il a une image un petit peu une bonne image par rapport à d'autres relais ou à d'autres enfants du système. Donc, et c'était justement, ça a dit, il a dénoncé à l'époque, et il a dit que ce sont des manœuvres de la police politique, des relais, on peut dire, de Toufir. Et justement, ça a dit par rapport justement toujours à la question de la polémique, ça a dit a interpellé Mourad Deïna, a interpellé les islamistes du Simon Tarbat Rachad, quelles sont vos relations avec justement les services secrets, avec la police politique. Il croit que c'est ça l'attitude d'un totalitariste, c'est-à-dire quelqu'un qui accuse les autres. Mais je suis rouge lorsqu'il s'agit de vérité, lorsqu'il s'agit de vérité par rapport à eux, pour leur relation avec la police politique et avec les services secrets. Donc, ça a dit justement, et je veux dire cette relation-là, au même temps, déjà, ça a dit déjà, des islamistes ils étaient même en contact avec. Avec Gaïd Salah même à l'époque, donc pendant la période là où Gaïd Salah était, on peut dire, à la tête de on peut dire presque du pays, parce que c'est lui qui gérait, qui dominait, qui a imposé les élections, et c'est lui qui a placé son président. Donc Winnet Dan Saïd Adibli, le fait qu'il l'accusait par rapport à sa relation, par exemple par rapport à certains responsables politiques, par exemple relation avec le pouvoir ou avec la police politique ou le DRS ou la sécurité militaire. Saïd Sadashi Dina, Ined Billi, Esmati Tour, à la tête du parti, à chaque fois, tu as la rencontre, un homme politique, un responsable militaire, il faisait les rapports au bureau exécutif. Donc, mec, dans la transparence, donc il y a des PV. Donc, il peut être, ils sont vérifiables. Donc, il y a une DDS, il ferait un smith, ou il dit ce qu'il dit par rapport à Chilène. Saïd Sadi le déclare clairement qu'il faisait tout ça dans un cadre de transparence totale. Donc, il n'y a à se rapprocher, contrairement justement à ces islamistes-là qui n'ont jamais fait un compte-rendu dans la transparence pour rendre compte de leur relation avec la police politique. Et justement, Mourad Deïna a reconnu dans la vidéo qu'ils avaient des relations avec des officiels, mais ils n'ont jamais rendu compte justement de ces relations. Et d'ailleurs, justement, Saïd Sadé a parlé des mouches électroniques justement manipulées par les relais de Rachad Ditrebatis, il faisait cette propagande-là pour fuir et ne pas répondre justement par rapport à leur relation avec la police politique. Ça a dit dans le cas de par rapport aux militaires. Net Billy, Asma Victor, qui est mort déjà, il a mis une lettre ouverte à Gaïd Salah. Il lui a demandé de se retirer de la scène politique et parce qu'au départ, il était un partisan du cinquième mandat. Il accusait les manifestations d'être des personnes manipulées qui ne travaillent pas à l'intérêt du pays. Et on verra la suite de Schiller. Donc,
C'est-à-dire, il a parlé aussi de l'utilisation de l'islam à des fins politiques de la part de ces militants de Rachad, donc des islamistes, qui se livrent dans les manipulations des mensonges. Winner, c'est-à-dire, on ne peut pas élever le niveau parmi une série, le niveau de débat, mais qui voulait maintenir le débat à un niveau des caniveaux, des égouts. Et c'est vous qui ne voulez pas vraiment aborder les questions de fond de la démocratie, comment s'en sortir, vous refusez réellement au fond d'aborder les véritables questions qui peuvent construire une alternative démocratique, alors que votre projet, on peut dire. Donc, une autre affaire un peu grave, c'est que je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail. Il a cité Inès, il y a au moins une dizaine de militants de l'ex-fils, ils reconnaissent la responsabilité de Mourad Dehine dans les assassinats des intellectuels. Il était, on peut dire, l'instigateur principal. C'est comme si c'est lui qui choisit les personnalités à assassiner. Donc, il doit répondre par rapport à ces accusations de la part de ses anciens compagnons de l'ex-fils. Accusation très grave, ça veut dire, on savait, nous, déjà, qu'il avait une responsabilité, vu les déclarations, déjà, par rapport aux assassinats de Tahar Jaoui et autres, etc. Le FIDA, là, qui sont un groupe terroriste, qui sont spécialisés dans la liquidation de l'assassinat des intellectuels et des journalistes. Alors, on laisse ça à l'histoire. Il y a des priorités. Je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. Voilà, Rachid, soumettez, je dirais, pour la question de la polémique, pour là où il a clarifié justement sa relation avec les services, avec Toufik, etc., où il a bien expliqué les choses mouguent dans la transparence. Donc, ou la chèche, à chaque fois, il a répondu qu'en politique, il n'y a plus de secret et il fallait faire les choses dans le cadre de la transparence. Rachid, تلميذ كمال ثغوي فانا دينيض كمال الفيديو تكيري زمان ما تسوالي من ذوك سفر فيسبوك سعيد سعدي لكن دان زمان تسوالي من ذوك سفر فيسبوك لافون غارد دا الجيري وليكس الحي مثلا مزيان عبان دينا هذا في الفيديو تكي دارني اسقسيدي سدون كمال دكتور سعيد سعدي يرد غف تمثال نعرفي سقسيين يشدنا السير ثيث أو يفنى دينا ذا شور دينا ستلقايف ما زبط دينا صوميث اسكو تي بو نو ريزومي لي بوان اسونسييل ابوردي كونت الى ريبوندو ا بروبو دي كيسيون دوردر بوليتيك رشيد قبريدر ثيريتي وسقسيي Il y a lieu de signaler que la vidéo qui a été postée dans la page de Saïd Sadi a été piratée ou il y a eu des signalements jusqu'au point où il a disparu. Donc, c'est très important de le signaler. Ça veut dire la vidéo de Saïd Sadi, les réponses de il a vraiment touché justement cette alliance islamo-militaire. Ça les a touchés parce que Saïd Sadi, tout le monde savait que. Il n'est plus dans le langage du bois, donc d'une manière directe, il clarifie les choses d'une manière directe, ça leur a fait du mal, mais ce qui fait mal, moi, un citoyen qui n'a plus, c'est par rapport à ces idiots utiles, où il soi-disant Zamin, il se cache derrière une certaine mouvance démocratique, etc., qui ont des visions soi-disant modernistes, l'un indirectement. Ils sont du côté de Rachad pour s'opposer à Saïd Sadi. C'est malheureux et très malheureux. Il y a lieu de dénoncer ce genre de comportement haineux, alors que l'un de même pas la vidéo, où ils ne savent pas que Saïd Sadi, avant tout, c'est un intellectuel qui a produit une dizaine d'ouvrages, qui produisait, on peut l'attaquer sur ce plan des idées, mais malheureusement, il y a certains qui sont justement au niveau de. Au niveau des égouts, qu'il n'arrive plus
à élever le niveau de débat et auquel justement de participer à la construction et à l'alternative démocratique, malheureusement, chienne, frangibérid, n'tivet. Donc, Bachek Drarachid, théorique et ousksiïque, ni d'abord Saïd Saadi, il n'est que Blif Ftarouf Mourad Dehina, justement, il y a un problème sur un problème de forme. Il n'est que Mourad Dehina, d'abord, il y a un problème de crédibilité et de confiance. C'est-à-dire, il y a un nid-tourilène, un hit-nid-tarachid, à l'exécutif de l'ex-fils, ni ils ont appelé à une sélection armée, il y a eu, ils sont responsables des milliers d'Algériens parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir par la force. Et malheureusement, c'est que aussi la responsabilité incombe à l'État algérien qui leur a accordé un agrément en 89, alors que la constitution stipulait qu'il y a l'interdiction d'utilisation d'islam à des fins politiques. Malheureusement, le pouvoir, il était dans la manœuvre. Ils ont donné l'agrément à un parti totalitaire fasciste pour justement être un blocage, être utilisé, manipulé par le pouvoir pour se maintenir, pour que le régime se maintienne. Et la même stratégie, elle est utilisée jusqu'à présent aujourd'hui. Mazel al-Assa, le pouvoir algérien, Iskhdam, les islamistes pour se maintenir. Et c'est pour ça justement ça, il a dit, le titre de sa vidéo, Ismaïs, justement quelque sorte comme une alliance islamo-militaire. Et c'est ça le poison de l'Algérie. Tant qu'on ne s'est pas débarrassé de cette alliance maléfique, tant qu'on empêche l'alternative démocratique, tant qu'on ne va pas mettre en place les préalables démocratiques, jamais faire plus de crise, il peut y avoir dislocation de tout un pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une irresponsabilité, il y a une sorte d'inconscience, et c'est comme Arrachid. Ils n'ont pas cette culture d'État pour avoir une vision au lieu de miser une génération future de nous t'aimons, de miser qu'elles n'ont ni d'qimen pour sauvegarder leur intérêt. C'est un crime d'État, on peut dire, parce que normalement un responsable doit avoir la culture d'État de penser aux futures générations et non pas de penser à leur propre personne. Et c'est ça, la gravité de la situation. Devant cette situation-là, malheureusement, on risque d'y aller droit au mur et la catastrophe pourrait être plus importante que celle des années 90 si on continue dans cette logique, on pourrait dire, inconsciente et responsable. Donc, Mourad Dehina, Inès Blit, ça a été déjà un problème de crédibilité et de confiance parce que Blit, déjà ex, dans le bureau exécutif du fils, qui appelait l'insurrection armée. Ils ont qualifié la démocratie coffre et justement sur un plan vestimentaire et alimentaire, donc ils peuvent être éliminés physiquement. Donc, ça, c'est une réalité historique que personne ne peut nier. Et justement, ça a été parlé aussi de la déconnexion de ces islamistes-là en utilisant un double langage. Et d'ailleurs, même sur un plan religieux à Rachid, ce qu'on appelle aussi la taqiyya, c'est-à-dire lorsque un islamiste se trouve dans une position, on peut dire, défensive, il essaye un petit par tous les moyens à distraire la ruse. Il voit que justement il va passer inaperçu et il voit que justement à dire ça. Donc ce double langage est utilisé justement par Zerbatan, Rachad, Dehina, etc. pour un petit peu induire les gens en erreur. Donc les citoyens sont induits en erreur avec leur langage, on peut dire, remodelé, etc. Soi-disant, même s'ils s'affichent, soi-disant, ils sont pour maintenant un combat pacifique, mais réellement, au fond, ça cache, on peut dire, toujours leur double langage. Et une fois que, par exemple, ils voient que leur projet ne peut pas aboutir, ils pourraient même recourir à de la violence. Il naît justement, il a cité, justement, le gourou de Londres, c'est un criminel, c'est une incitation au meurtre.
Parce que maintenant, tu accuses quelqu'un de criminel. Qu'est-ce que ça sous-entend? Pourquoi, soi-disant, Askan Saïd est criminel? C'est parce que les années 90, un, d'abord, il a refusé l'instauration d'un État théocratique. Et deuxièmement, parce que Saïd a eu le courage d'appeler à la résistance armée pour justement protéger les citoyens qui sont livrés à eux-mêmes, parce que l'État, à l'époque, n'avait pas les moyens pour protéger. Et c'est pour ça même, par exemple, ça a commencé en Kabylie arrachée, là où il y a eu l'appel et la constitution des premiers comités d'autodéfense pour résister contre les terroristes islamistes. Et donc, c'est pour ça, justement, Twelem Blissagzadi, soi-disant carnasse criminel, dans le sens parce qu'il a eu le courage d'affronter ces islamistes, il a refusé l'instauration d'un État théocratique, et c'est pour ça que France tercible, carnasse cuisin criminel, alors que les véritables criminels viennent, nous disent qu'ils rentrent à Djaout, mais qu'ils rentrent des milliers d'Algériens, parce qu'ils refusaient de s'inscrire dans leur projet de société totalitaire. Donc, c'est pour ça que justement, Annie, ça dit justement, Annie, je vais justement pointer avec le gourou de Kilingue Londres, Annie Assinabili, justement, il a salué même l'agression de Saïd Saadi Nilingue Marseille, et il est parmi eux, justement, Youn, neveu de l'ex-patron de la sécurité militaire, il est un cadre de rachat. Et ils n'ont jamais dénoncé cette agression-là, parce que pour eux, c'est tout à fait normal d'agresser. Saïd Saadi, pourquoi? Parce que il est contre le projet des islamistes. Et au même temps, le 20 août, justement, Saïd Saadi il a parlé de cette alliance, justement, islamo-militaire, et justement, le 20 août 2020 à Genève. Donc, ça traduit, on peut dire, cette alliance islamo-militaire. Ou justement, Soumata, Annie rare. Soi-disant publiquement à Karnbli, les islamistes techniques de Hina Trevadis, gênent Amnours, la force, le recours à la force armée, et Wakanat Daoutni Ilhkem, soi-disant, ils ont adopté le combat pacifique, mais Saïd Saadi toujours, il a un doute par rapport à leur aveu, il ne croit plus parce qu'ils utilisent comme étant la démocratie comme étant un fonds de commerce, mais réellement, au fond, ils n'ont rien de démocrate réellement parce qu'il y a pas mal de. Parce qu'étant donné qu'ils sont contre les préalables démocratiques, qu'ils ne répondent pas aux questions bien déterminées par rapport à la question de l'égalité de l'homme et de la femme, par rapport à la question de séparation du pouvoir, par rapport à la question de séparer la politique du religieux, protection des minorités, etc., le rôle de l'opposition, etc., toutes ces questions-là qui relèvent des principes justement fondamentaux et des valeurs universelles et humanistes, nous, on y voit comme étant idéologiques. Et c'est là où justement il y a une divergence entre la vision de Saïd Saadi et celle de Dehina et de les islamistes, parce que nous n'y ces valeurs-là universelles et humanistes, c'est-à-dire le socle démocratique, ces valeurs-là qui doit constituer justement le nous n'y pas c'est un débat idéologique, nous n'y prenons qu'un le juste quand le vote qu'un, c'est le suffrage universel, à le vote, le peuple a des tranchées. Non, c'est question, ça c'est induire les citoyens en erreur. La démocratie ne se limite pas à l'acte de vote. Tout ce sont des principes. Tout ce sont des valeurs. Avant le vote, on ne peut pas parler de démocratie. Donc, c'est-à-dire les valeurs démocratiques. Donc, c'est pour ça que justement, ça dit, tu ne peux pas faire semblant de ne pas comprendre. Qu'est-ce que la différence entre les valeurs démocratiques, les valeurs universelles et humanistes, ce qui relève d'idéologie, ce qui est la Suisse, justement, Annie, dans un système fédéral, Annie, il y a plusieurs langues officielles, etc. Donc, ça a dit, justement, Amidili, il n'est pas exprès. De faire de l'amalgame, de la confusion pour manipuler l'opinion publique, l'amalgame, justement, tout ce qui relève des préalables démocratiques, des valeurs démocratiques qui sont universelles et humanistes, qui doivent être adoptées dans un État ou dans un régime démocratique. Wahid, qu'est-ce qui relève d'idéologique? L'idéologique, ça peut relever de. Ça peut être un parti conservateur, un parti. Libéral, un parti de gauche, de droite, etc., du centre, social-démocratie, on peut dire que ce sont des options. Mais
ثيلوفان يشدن اي وزرفان ازرفان ومدان يعني عنا في لي ليبرتي انديفيديوال اي كوليكتيف ليبرتي دو كولت اي دو كونسيونس اكسيترا كي دختي تيلوفان ني لاني ودا ترسين دي توغلو دونك سي بو سا جوستمون نوني لعبن سور جوستمون سيت امالغام هو كنا تسلطن مدن دونك l'islamisme politique n'a pas le droit de citer dans une démocratie. Ou bien, ils vont se transformer en parti conservateur pour qu'ils puissent exister dans un cadre démocratique. Si on veut prendre l'exemple, Moussaïd Sadi, il a cité l'exemple de l'une des anciennes démocraties en Europe, par exemple, comme la Grande, même à travers le monde, à travers la Grande-Bretagne, elle a cité justement le parti conservateur, qui sont de droite, donc libéral, et le parti travailliste, qui sont partis de gauche. Et d'ailleurs, elle a parlé même de Tories, c'est-à-dire qui remonte au XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est le parti, justement, parti conservateur de droite, donc les libéraux, et il y a un temps, les travaillistes qui sont de gauche, qui défendent un peu la classe prolétaire. Donc, donc, à Tassne, nous faisons justement les droits des minorités, c'est ça, ce sont des fondations de l'État démocratique et tout ce qui est idéologique, ça concerne des options, que ce soit sur un plan de vision économique, que ce soit de la droite, de gauche ou du centre. Donc, je voudrais déjà faire justement l'égalité des sexes, etc. Nous, on est fouillé par rapport à cette question pour répondre clairement. يتلوفان إلى نشودن وزرفان يا زرفان مطوط واحد 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 دورياز دونك ذا ذكر ولن زيس خاطر نولي توجور تشودن يتلوفان الدين كما نتفغن زيس الور كو جوستمون اني تفيران تمورا اني ام الليبان نغد السودان نغد نغد ميم العربي السعودي اكسترا كومونس ا ايفولوي اكسترا الليبان يفلوبتي بور لا لايسيتي متر فان au régime confessionnel, le Soudan, un tournoi, chemin, enfin, l'État islamique, un bas d'après, il y a une sorte de guerre civile entre le nord et le sud, etc. Brana Drohan vers une constitution laïque. Donc, il n'est pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, on peut dire, ralentir et faire barrage à cette dynamique, on peut dire, historique mondiale qui est on peut dire, l'instauration de la laïcité à travers le monde, qui est, on peut dire, une option qui s'impose actuellement, où mais vous ne pouvez pas l'arrêter parce que c'est une dynamique mondiale. Donc, je vous laisse même l'affaire de l'Allemagne, Morad Dehina toujours joue sur la confusion. La véritable question, c'est que le pouvoir politique, l'État, n'intervient, l'Église ne peut pas intervenir. Ce n'est pas elle qui va régir la cité, différentes questions politico-économiques. C'est l'État et n'a rien à voir avec la question de l'Église. Donc, la question de la religion, elle est mise de côté. Donc, c'est pour ça que justement, Anissa El Sadi, il fallait défrayer dans cette paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a justement à approfondir la réflexion et qu'il y a justement à défrayer sa mort de la crise. Voilà, car Rachid, sous ma tâche, je m'en ai dit, et aussi, qui fait une soudain, il me sèle, une certitude, tout glout, un petit peu là, ça a dit, c'est-à-dire les islamistes, nous, ils veulent un petit peu manipuler toujours, induire les citoyens en erreur, de réduire justement la démocratie tout douce et le vote qu'un, alors que la démocratie c'est un ensemble de principes, il fallait d'abord ces préalables soient consacrés dans une période de transition. فكان دانو يفهم تما وثكني كمال ولا لا فيديو ني جاون دي ناس سعديه جي من احمد يودر لا سويس مو في سويس اشكو مواد هنا دوين سنان كني يمكن دي شوطه فيديو اثنين سكني عندك دي وثات سعدي انك ملي تستخدم تاع فرنسي سكني صاد دي ناس يصاد ناس فرانكوفون تاع جي من دكتور سعيد سعدي مي نتسى يتسمى
il a toujours dit comme quoi Thamouth il a qu'il y a la diversité linguistique confessionnelle إنك لو هي ما مشيكا مشيكي نديك سجي وإن مورد دينك تاشن دي ثموث الله سويسي كسان 34 فرنسيين قلياني ثا فرنسيس طالماني ثا أكذا الرومانش دونك يوهم دكتور تاديم كي دينام سي مكي غالون كون سا ثا جوست ما يشكي دي لا سويس كي باتي سور لا ديفيرسيتي لينغويستيك اي كونفيسيونيل فغاد كان يوث الحاجه دارني وكذا هاتي قولان يوث فيديو سكني انت سميس المغاربيه غوانتو اورانس تي في يظل في بوين داكني يون كنيس قبيلي في ايميسيون تاع ديانت عند عرض السين يقبليا يون سي الجايثون سيتي زوزو كني دارني سو الناس علي بالحاج علي بالحاج دام داكل دهينا يونو كافر الفيس وهايم كنيس وهمية يسون كريمينالي دو الصح يسون فيا اشي خدمة لي زاني 80 دي سيك ماشا كيني يون بالي بالحاج يقيم من الجزائر يا شي يقيم في غار تموت من الجزائر ام دهينا كاش ندير لا سويس يناد زمات سفيريفيم يناد اسقسات وجورناليست لي قبايليا ان ياس اشاد نيض في الكورون اسلاميست كسو سوا جاب الله نار موكري نار بن غرينا نار غازنيك اي سون كونتر تا ميزور دي لا كونستيتيوشن ياكي ذا شوت سيغيري فين سكتشيني ان طونك فوزون بارتي دو موفمون دو كورون اسلاميست شوت دي راس علي بالحاج ان ياس بلي يو كان سي 62 الجزائر تفنى في لا ديفيرسيتي لينغويستيك et confessionnel et confessionnel c'est le cas où tu auras tu auras être séminaire de chez voilà en mazir donc voilà ça كامل ياش ديال الجزائر il a fini par comprendre la diversité linguistique et confessionnelle à quel point elle est importante et n'est pour le cas de l'Angleterre en rouen américain comme le pays bâti sur la diversité confessionnelle plus particulièrement et monsieur dans l'Israël ce qui est soit même avec l'Israël est bâti sur la diversité linguistique donc l'arabe est officiel à côté de l'hébreu etc donc vous qui bâche qu'il y a aussi une question de laquelle tu m'as vraiment dit que Ali Belhadji qui est même dit mot c'est évolué en خير نعم هنا جاش ندير لا سويس تي ولا كيشدني كوات ما جيت في ثلاثين اكذا الديفيرسيتي كونفيسيونيل جوج ترى شي باش يدير جمله كي لا بتدر بالك شكلات تي رابورتي اش دهضر مي كان جو سي بري دانتربريتي كاين دنا صحراشين جامي التمرين وي داكني باسكو سون دون لا تقيه باسكو سون دون ان رابور دو فيبلس باسكو سيل بونس انسي بوركوا نوني اسمي لي زاني 90 سعان لي زابيسي وطن سعان سوا ديزون برمي تور لا ماجوريتي اكسترا اسمي تور مدني زيتي مانيبولي مانيبولي à cause de la religion parce qu'ils ont utilisé la religion des femmes politiques lorsqu'ils avaient la masse parce qu'il était en rapport de force taille ils avaient la manipulation du peuple pourquoi ils n'ont pas ce discours là donc justement Rachid pourquoi il faut qu'on fasse attention on ne doit pas tomber dans le piège ce sont des discours hypocrites. C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas dans un rapport de force. Ils essayent un petit peu d'évoluer et de prétendre Berli parce que nous, on est tellement, ils est, le parti est dissous, tellement ils sont exclus dans la scène politique, ils veulent revenir en essayant de développer un discours qui pourrait plaire et qui pourrait prétendre comme étant ce sont des gens justement qui ont évolué, qui peuvent revenir, ils ne représentent pas une menace pour la société. Donc, c'est pour ça qu'on devrait faire attention à leurs propos, pour moi, ils sont dans la taqiyya, pour moi, ils sont dans le double langage, ils sont dans l'hypocrisie. On ne doit pas prendre leurs mots, on peut dire, comme quelque chose, c'est-à-dire de véridique ce qu'ils pensent. Ils sont dans la politique politicienne, ils sont dans la manipulation. Moi, je ne les crois plus. Et même si ils veulent, même si ils veulent, on a discuté de ça. Qui soit inscrit dans le giron arabo-islamiste, c'est-à-dire il faut qu'il soit islamisé, etc. Et on verra justement, ils ont islamisé Tamazir. C'est le caractère d'Arab. Les robes avec du hijab, islamisation de la robe kabyle.
Ils ont islamisé même à Rachid le drapeau amazir. Nous, on a vu le drapeau Ifizibzou, un xnes, le signe imazir, un truc, le Coran, etc. Donc à Rachid, on ne doit pas prendre leur discours, faire une lecture superficielle. Moi, personnellement, je ne crois plus. Ils ne sont plus dans la même logique. Ce sont des gens, si tu vas les écouter dans d'autres chaînes, ni spécifiquement islamistes ou je ne sais pas, etc., il n'y a plus d'ouverture, etc., ils peuvent développer un autre discours. Voilà. Donc, Rachel, à mon avis, il faut qu'on fasse attention. Non. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans une perspective arabo-islamiste. Ce sont des gens qui sont dans la politique de l'utilisation de l'islam à des fins politiques. Donc, ils n'ont rien de démocratie. C'est parce que tu auras arraché la question de Mazir. Il s'est imposé, on peut dire, ne serait-ce dans les textes, même si moi, personnellement, Mazir, pour moi, il n'est pas officiel. Mais au moins, il est présent d'une manière un peu formelle. Mais parce que tellement il s'est imposé, par rapport aux acquis à Rachid, donc ils sont obligés de développer ce discours. Mais au fond d'eux, ils sont contre parce qu'à Rachid, ils ont combattu Tamazir. Ils n'ont rien fait. Ahmed al-Ulama al-Muslimin, depuis 62, à Rachid, il n'y a que la Kabylie. C'est grâce à la Kabylie qu'il y a eu, on peut dire, l'émergence de Tamazir grâce aux travaux. Boulifa, grâce aux travaux de Mouloud Ma'amri, grâce aux travaux des militants de 80 à Rachid, qu'il y a eu justement des acquis de Mazir. Inouni, ils étaient des adversaires de Mazir. Donc je ne peux pas croire Ali Belhaj ni un autre islamiste là, parce qu'ils sont dans une perspective, ils sont à Rachid dans la taqiyya, dans le double langage, dans la manipulation, dans l'hypocrisie. Non, à Kemal, c'est très important de venir. Je vais enlever juste une petite confusion au dernier arabe qui a fait Dina Ali Ben Hadj, qui est arabe parce que Harset Kent est un animateur skvaili, c'est un skvaili, c'est un gaon de skvaili, c'est un gaon de skvaili, mais il est un peu comparé, c'est déjà comment il a évolué, c'est bizarre, et d'un autre côté, comment il s'est dit, il a évolué, je dirais qu'il a évolué mieux que. Dina qui dans ce sens-là, ou parce que à qui dit de dans une autre chaîne 100% arabe et islamiste, ben il y aura un tigadis, ça afghan, d'avoir l'arabe, un. Donc, ok, c'est très important de le préciser. Même au gars des cartes de Facebook, les postes, sinon j'interpelle les esprits, comment ces gens-là, comment ils sont, comment ils étaient, comment ils deviennent, comment ils jouent, comment ils reviennent en arrière. Il y a plein de contradictions. Kemal, je vais vous dire que nous avons le docteur Saïd Saadi, 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 nous avons le docteur Saïd. Est-ce que tu peux nous dire que propose le docteur Saïd Saadi pour s'en sortir de cette crise? Rachid Saïd Saadi, justement, je dirais, Mourad Dina, Fénanan, justement, les questions de perspective, quelles sont les possibilités, ou quand tu mourras dans le Zaïr, je me dis que le Mahanan de la Faini Choudan, justement, et les solutions, c'est-à-dire d'abord, il n'est pas un bilan, au moins à partir de l'assassinat d'Aban Abdullah en 57. Donc, il n'est pas d'abord tirer des conclusions par rapport aux différentes successions du coup d'État, la corruption, tout ce qui est comme assassinat, etc., politique, tout ça. Donc d'abord, ils ont mis un véritable bilan. D'abord, Saïd Saadi, il insiste sur la question de la transition démocratique. Donc, ils ont mis la transition démocratique. La transition démocratique partout dans le monde, toute transition démocratique
il est, ça veut dire c'est le passage d'un régime autoritaire ou dictatorial à un régime démocratique. Tamurt al-Zayer, mazal ad, machi tougdouth. Donc il nous fallait une transition démocratique, et c'est pour ça qu'il dit Iker Dougdouz, depuis le 16 février et le 22 février à l'échelle nationale, il voit justement à Ditlob Dougdouz, à Ditlob Filili, et dit donc plus de liberté, que ce soit sur les libertés individuelles et collectives. Donc, il y a une chute et Dougdouz. Donc, Nizmir, Imrouh et Dougdouz, mais le Mazel Ad, le régime actuel, le pouvoir actuel, qui va continuer à gérer, on peut dire, cette pseudo-transition. Ou l'Izmir, en rouhé, tu gdouth, mais la mazalad, vous dites qu'il y a un tour, aïlan, il y a un chouch, n'temour. Ou l'Izmir. Donc, il y a un chou. A khatr, un d'abord, à gdouth, l'Izayer, il fait qu'il y a un d'mnouth, vous dites qu'il y a un véritable responsable de la gestion. Car l'État civil et non militaire. Ça veut dire, à gdouth, l'Izayer, il y a un machin des civils, à yakmen, il n'y a pas de démocratie, ou l'ach tu gdouth, donc il a l'armée, à Tchmi les casernes. D'ailleurs, ce qui a été justement proposé par Saïd Saadi, clair et net, l'armée doit rentrer dans les casernes, il doit faire ce qu'a fait le Soudan, et il faut qu'il fasse son travail. Il n'y a qu'une seule mission, c'est la sécurité du pays. Et Saïd Saadi, justement, il a lancé un appel à l'armée. D'après Ibn Jbed Fles, l'intervention de Saïd Saadi. Donc, وسعيد سعدي جوست ماشا سيني يتربعت براشاد دينا الناس باللي شنوي في الطلبهم لاربيتراج دو لارمي بور لا جيستيون دو لا ترانزيسيون ديموكراتيك سعيد سعدي يمد باللي لارمي يويد الريمانيز القرن تخطا دون لا جيستيون دو ترانزيسيون و دويرا تيغريمانيس لو فيتابل اربيتراج Ce sont les citoyens, c'est la citoyenneté. C'est la seule voie qui peut garantir la stabilité, c'est la seule voie qui peut garantir un avenir meilleur, c'est la citoyenneté, c'est l'arbitrage citoyen et non pas l'armée. L'armée, il n'était pas formé. Et les militaires ne sont pas formés pour gérer des transitions. Les militaires ne sont pas formés pour faire de la politique. Les militaires sont formés pour défendre un territoire. La politique, elle est faite aux politiciens. Donc, mais elle a justement le paternalisme militaire, mais elle a l'islamisme. Pour moi, en dehors de la rente pétrolière, de l'argent comme moyen de corrompre les gens, etc., les deux éléments qui bloquent l'alternative démocratique qui est Zayer, Arrachid, c'est le paternalisme militaire et l'islamisme politique. C'est-à-dire, toujours le régime, il se comme garde-corps, c'est-à-dire, c'est comme son garde-corps, ce sont les islamistes. Il se comme étant une menace. À chaque fois qu'il y a possibilité d'une alternative démocratique, il faut dire qu'il y a des choses. Le régime, il va toujours négocier avec les islamistes, les domestiquer, et il va gérer avec eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça justement, actuellement, et d'ailleurs même dans l'intitulé de la vidéo de Saïd Saadi, Ismaïs, justement, il a parlé de l'alliance islamo-militaire. C'est-à-dire, cet islamisme, et ce militarisme, c'est ça ce qui a bloqué le pays du développement. Parce que l'armée ne peut pas gérer un pays, il doit être loin de la gestion politique. Et l'islamisme doit être aussi exclu de la compétition politique. Un parti islamiste peut évoluer en parti conservateur pour qu'il puisse évoluer dans un cadre démocratique comme partout à travers le monde. Si on va prendre par exemple... Il y a pas mal de partis conservateurs, même avec le Canada, il y a des partis conservateurs. Partout à travers le monde, les partis qui ont un ancrage, on peut dire, soi-disant religieux, ils sont transformés en partis conservateurs, mais ils évoluent dans un cadre démocratique et républicain. La seule voie qui reste pour que l'Algérie puisse être un pays comme les autres, puisse évoluer, et puisse se développer, il n'y a que cette voie-là. Et c'est pour ça que, sans préalable démocratique, sans
cette double rupture par rapport à l'islamisme politique et par rapport au régime actuel militaire, il n'y a que cette voie-là, troisième voie, qui est la construction de l'alternative démocratique où toutes les obédiences politiques peuvent coexister ensemble. Et donc, on doit, dans cette phase de transition, d'abord passer de la politique politicienne partisane aux politiques. Il n'y a que le politique qui pourrait justement construire ce pont-là pour passer de la dictature, de l'autoritarisme à la démocratie. Sinon, si on va continuer ainsi à toujours évoluer dans cette équation islamo-militaire, l'Algérie va continuer à évoluer dans un monde sous-développé de décadence et on peut dire de la contre-histoire. Ils sont dans la contre-histoire et en quelque sorte, c'est comme si nous sommes dans un pays où tout est bloqué, où tout est stagné, on est dans le statu quo. Et c'est pour ça que justement, pour passer à une autre Algérie, il fallait cette transition démocratique pour réellement, au fond, gagner cette bataille. Et justement, ça a dit, justement, il a dit, et Mourad Dina, vous ne pouvez pas, on peut dire, être contre le combat pour la démocratie, et même par rapport à la question de la laïcité qui s'imposait. Et même la question identitaire, justement, à Rached, justement, il lui a parlé justement de la question, il lui a dit qu'il faut apprendre à compter jusqu'à trois, même par rapport aux langues. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saïd a dit, je vais le cahier, je vais te faire un peu de temps à l'extérieur, parce que Saïd a dit, ce n'est pas quelqu'un vraiment qui a étudié l'arabe dans les institutions, donc à l'école. Et ça, franciste aussi, c'est plus sur un plan intellectuel. Si Saïd Sadi aujourd'hui, il est ce qu'il est, c'est parce qu'il est formé intellectuellement avec la langue française. Justement, à Rachid Ibn Klas, c'est très important dans des émissions, l'objectif, la finalité de l'arabisation, c'est de couper justement l'élite francophone à Rachid de sa base. Parce que s'il n'y a plus de gens qui comprennent justement le langage de Younes Saïd Sadi, qui comprennent les élèves, les enfants ne maîtrisent pas le français. Parce que la majorité des ouvrages qui sont de valeur, qui suscitent la réflexion, de la philosophie, de l'esprit critique, ils sont rédigés en français. Les ouvrages, la majorité, la quasi-totalité, les livres, les chemins, les timours, les aïrs, donc c'est pour ça que justement ils n'ont pas accès à la langue française, ils sont les premières victimes de l'endoctrinement et de la misère intellectuelle, et c'est très important. Et c'est pour ça que Rachid Nagrad à chaque fois l'urgence, s'il y a urgence en Kabylie actuellement, et bien sûr même pour un appel aussi lancé pour les autres régions du pays, mais principalement le territoire, on est à TQ5, القبائل اللي ودات فهمن باللي ما لا مازال عاد لارابيزاسيون ما لا مازال لا ميزير انتيكتويال دون لي زيكول دون اليا دون دوكترينمون ثمرت القبائل والزميرات فور ايتاساس لازم تاك تفهم يون باللي طونك لارابيزاسيون il persiste dans le système éducatif algérien et surtout ثمرت القبائل ثمرت القبائل جمعت فغين دلا اخطر لو فوتور لانفستيسمون اي دون لومان سو ني با لي ريسورس ماتيريال كي كونت دون لو فوتور il y aura de nous il y aura de nouvelles formes d'énergie etc. comme le pétrole que la Malaisie peut être dépassé, c'est une question de temps, peut être dépassé. Donc tout est basé sur la question d'investissement dans le savoir, dans les recherches scientifiques. Donc on peut pas évoluer, on peut pas développer ce secteur là avec la question de avec l'arabisation. Et l'arabisation, Mrazaran Billy, il a été imposé et non pas par choix, ou Drien Sankran, justement dans des écoles francophones, Krans française, Krans anglais, Zaran Billy, l'avenir Drien San, ou Zmeretili, Stutley, Ntarav. Donc, justement, le cadre d'Arabie Saoudite commence à évoluer, le cadre du Liban mettre fin au régime confessionnel pour passer à la laïcité, la seule option
on peut dire pour éviter l'implosion du pays, de l'affaire du Soudan, un justement pas de Rohan et vers une constitution laïque, un justement sinon Saïd Sadi et Mourad Dehna, est-ce votre horloge politique, est-ce comme votre horloge culturelle. Ça veut dire, c'est comme si nous on y doit là, à midi les sans on peut dire le réveil masnani thbes à خاطر sans timourline justement des idées du Moyen Âge donc c'est pour ça que justement on y a Rachid je sais pas avec je donne les détails on est justement je vais dans cette les cas de la Suisse on est ça les quatre langues officielles etc. mais justement le cas Saïd Sadi le cahier sani il reconnaît les trois langues et cette question de richesse etc. Pour l'ouverture de l'esprit et de la réflexion. Voilà, Rachid, quelque chose que tu as dit, c'est que tu as dit. Je suis un militaire. Justement, Saïd Sadi, il a lancé un message et l'armée, Inès Nkamem, Chounouif, Amidili, Zmerem, ici, à vos collègues militaires soudanais, Annie, justement, ils ont opté pour une solution radicale et juste, c'est-à-dire d'opter, par exemple, de reconnaître, on peut dire, d'y aller vers une constitution laïque pour justement essayer de corriger. Les erreurs du passé, Annie et Tourine, nous n'y chemin dans l'obscurantisme, chemin dans l'État islamique. Donc, nous n'y faqan belli, ils mettent des ouchines à drohan vers la laïcité. Vous savez, ça dit juste mot d'avant, il n'y a pas de belli et l'armée, et oui, d'être from Gnern Sersif, qui nous dit la mission ou un tevin, c'est la protection du territoire. Donc, c'est-à-dire protéger le territoire algérien et la politique doit justement être réservé aux hommes politiques, donc ils vident l'armée à Tchim dans les casernes. Donc, c'est pour ça justement, Saïd Sadi, le militarisme a vécu. C'est comme si le militarisme, ça fait partie du passé. Donc, vous devriez faire le deuil de la politisation du militarisme, c'est-à-dire les militaires doivent faire cette mutation-là et de comprendre que le siècle qu'on vit dans lequel on vit actuellement, il oui dérohiyoun justement vers la sagesse, la responsabilité et oui l'armée at fagner nsafi. Donc c'est pour ça que justement ça dit nes nbli, ce sont les chaises musicales, vos chaises musicales qui sont à l'origine de la crise. Parce que Rachid l'affaire avec les chaises musicales, ça veut dire que c'est comme si l'armée, bien sûr la police politique principalement, qui dessine tout. C'est comme si, parce que les chaises musicales, lorsqu'on parle de chaises musicales, sort d'un jeu, Rachid, la musique, on fait de la musique, et après, on met des chaises, et tant que la musique est là, les gens se déplacent. Mais une fois que la musique, il faut prendre une place, sinon tu as perdu, éjecté. Donc, c'est pour ça que c'est la parler de ces chaises musicales, c'est dans le sens où la musique qui correspond à la musique du pouvoir, tu vas être éjecté, tu n'auras pas ta place à leur niveau. C'est dans ce sens-là. C'est comme s'il manipulait, il jouait l'avenir de Mourth avec ce genre de manipulation parce qu'ils sont derrière et ils n'ont pas de compte à rendre parce que ce sont des interventions informelles. Donc, c'est pour ça que justement, Inès Nbeli Darant et les militaires algériens, vous devrez être dignes et de répondre aux attentes du peuple algérien. Ça veut dire qu'ils vident réellement au fond. C'est comme s'il appelle à leur raison, à leur sens de responsabilité. L'état civil et non militaire. C'est la traduction
de l'une des résolutions du congrès de la Souma. Inès, justement, ça a dit, nous sommes les enfants de la Soumam, c'est-à-dire les enfants, l'héritage de Abban et de Mehdi. Et justement, ils ont dit clairement que la primauté du politique sur le militaire. Ça veut dire que les militaires ne sont pas destinés pour faire de la politique. Les militaires, ils ne sont pas formés. Ce n'est pas leur destination, ce n'est pas leur qualification. Donc, quelqu'un qui n'est pas destiné à une fonction, il ne peut pas jouer son rôle convenablement. Donc, il y a une adélique mécaniste. Il y a toute sa vie, ça a été dans la politique, plus d'une cinquantaine d'années de sa vie, il y a aussi un militaire qui est formé dans un cadre technique, etc., pour protéger Temur, dans l'espionnage, etc., protéger Temur. Il dit s'il veut donner des leçons en politique, c'est inconcevable, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que justement, les militaires, ils viennent la mission constitutionnelle. C'est de protéger le territoire, c'est de protéger justement le pays, c'est de protéger justement, des enquêtes pour lutter contre la corruption, etc., même si il doit y avoir d'autres institutions qui doivent veiller pour lutter contre la corruption. Il faut qu'il y ait une justice indépendante, séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs, la presse indépendante. La presse, c'est un quatrième pouvoir. Justement la presse pour que justement il va jouer le rôle de la transparence. C'est un contre-pouvoir parce qu'un journaliste peut faire une enquête, peut révéler des scandales, peut révéler des cas de corruption. Ils peuvent participer dans la construction du pays. Mais les journalistes, juste la publicité, les journalistes, qui va te dire non? Qui va te critiquer? Qui va faire des enquêtes? Qui va faire du journalisme d'investigation? Qui va dire la vérité au pouvoir? Mais il y a aussi, justement, malheureusement, il y a aussi la faillite de l'intellectuel, de l'élite au niveau du pays, parce que le rôle de l'intellectuel, c'est de dire la vérité au pouvoir. Et c'est l'une des définitions, justement, de Jean Paul Sartre par rapport à la question du rôle de l'intellectuel. Un intellectuel est de fait quelqu'un d'engagé. On ne peut pas être un intellectuel sans être engagé pour se positionner par rapport à des questions politiques et dire son point de vue, M. Hewitt et Diffrayouen, la crise. Donc, c'est pour ça que justement, Arachid Saïd Sadi a essayé un petit peu d'une manière générale à répondre à ces différentes questions et surtout à dire que la démocratie, elle passe par la transition démocratique, des préalables démocratiques. Il y a des valeurs qui sont universelles et non pas, et ne relèvent pas de l'idéologie. Et oui, justement, il freine. Et donc, c'est pour ça que justement, il a répondu aux gens, et oui, donc réduire la démocratie aux élections. Alors que la démocratie, c'est un ensemble de principes. Les islamistes, la sécurité militaire, le pouvoir, etc. Parce que Saïd Sadi, lorsque j'ai écouté son intervention, j'ai l'impression que c'est comme si il essaye un petit peu d'interpeller les consciences de partout, mais disons politique, mais du côté de l'armée, mais du côté de l'en, il cache une démocratie de l'Zaïr, il voit qu'un de Hadran, à Khatar. C'est comme si Saïd Sadi, il essaye de dire la vérité à travers les éléments qu'il a, des éléments d'analyse qu'il a, parce qu'il se sent responsable de ce qui se passe. Il intervient en tant que citoyen pour éclairer l'opinion, parce que sans éclairage, il peut y avoir de la manipulation. Donc, c'est dans la conscientisation politique pour pouvoir justement immuniser la population, d'immuniser les citoyens, de les sensibiliser pour éviter les manipulations justement, que ce soit de la part des islamistes, de la part du pouvoir ou de la part des idiots utiles qui sont utilisés malheureusement pour qu'ils soient des escabeaux, pour que les islamistes puissent justement être une alternative à ce régime-là. Et ce qui est malheureux, parce que d'abord, ils ne
on ne doit pas refaire la même erreur des années 90. On ne doit pas jouer à la politique de la roulette russe. D'ailleurs, même l'expression qu'Ismaël Saïd a dit, même qui n'a pas seulement, je l'ai déjà utilisé dans mes analyses, justement, la démocratie, c'est comme la roulette russe, c'est-à-dire une roche et le vote, où il y a différents États, différents, un parti fasciste, non, ce n'est pas ça la démocratie. On ne doit pas accepter ce genre de ce genre d'aventure. La démocratie, ça organise, ça a ses règles, où il faut respecter les gens. On a la phase de transition. En même temps, c'est une manière de répondre à Kidner, à les services, à Kidner. Et même aussi, s'adresse aussi aux citoyens pour qu'ils prennent conscience et chacun a sa responsabilité de ce qui va devenir, du devenir, on peut dire, de Mourt 16. تلميذة كمال لكن نخدم يال ثكل تاوي فانتو عاد دينير داشو تمسيرين نزبد نسوفا سيد فيديو تاكي قلان تسيريث دكتور سعيد سعدي اي مراد دهينا كنا شوف ما ديك سارة شيد كمان صنيم ثم زواروث ديجا سعيد سعدي إلا أجي إلا إسي دو ريبوندر غاري راد دي مراد دهينا مي سني با مراد دهينا كي فيزي مي il veut en quelque sorte d'une manière pédagogique expliquer d'achouter sa certitude أمشي ويدتيلي غردشو سورتو لالتيرناتيف او ريجيم ادي روح يوم فير ان ترانزيسيون ديموكراتيك و جوستمون الى ديماسكي جوستمون لو دوبل لونغاج دي اسلاميست لو دوبل لونغاج مراد دينا اكي دني سي اون فيو اتيليزي لو ريكور او لونغاج ريليجيون سين لا تقيه سي دادير لوسكي سون دون اون دون لا ديفونسيف ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à utiliser de l'hypocrisie pour pouvoir justement s'en sortir et essayer de développer un discours le deuxième point Rachid Zmedik-Sankina il est important si Rachid Saïd Saadi a révélé quelque chose qui n'a pas été dit j'ai parlé de ça c'est Rachid la question de l'anticapitalisme le fait Saïd Saadi il vit une clairement, si tout fait qui a bloqué l'expansion des idées du RCD à travers l'échelle nationale, la trentaine, 29 communes, parce qu'on peut dire une trentaine de communes, ils sont tous détruits par les services secrets. Par tout fait qu'une personne, d'après Saïd Saadi, c'est comme si c'est le service, justement, c'est le DRS qui a détruit ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça représente un danger pour le pouvoir algérien, s'il y a l'expansion des idées démocratiques. Et donc, après, on va s'étonner pourquoi il y a l'émergence du MAC, pourquoi il y a les idées indépendantistes. Mais c'est le pouvoir qui a voulu pousser à ça, ou parce qu'on n'a pas voulu à ce que la démocratie soit une question nationale. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit kabyle. Ça veut dire que la démocratie ne peut être qu'en Kabylie. C'est-à-dire si on va continuer à raisonner par rapport à Saïd Saadi, ça veut dire que le pouvoir algérien, il verra ce que la démocratie se limite à la Kabylie. C'est ce qu'on devrait comprendre. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, les partis d'essence démocratique, ils ont un ancrage en Kabylie. Parce que tous les partis à travers le monde, ça a leur fief. Eh bien, par exemple, le RCD de la FESNA, je ne sais pas, ce sont des partis qui sont ancrés en Kabylie. Et bien sûr, lorsque je parle du RCD de Saïd Saadi, pas du RCD intégré à Dakar, que personnellement, je ne suis pas d'accord avec leur ligne politique et leur stratégie. Donc, le troisième point à Rachid qu'on doit tirer justement, c'est justement de cesser d'être justement des escabeaux pour permettre justement aux islamistes, à Kharouk Ibrani, justement, une partie de la Kabylie à travers certains idiots utiles, donc là, justement, d'interpeller et de faire prendre conscience de la Kabylie, du danger de ces éléments-là, qui essayent d'être des relais de rachat, des relais des islamistes, pour qu'ils puissent être une alternative à ce système-là, en utilisant la Kabylie, en essayant de la normaliser, et en essayant justement de l'induire en erreur. Et c'est un véritable danger
il faut pas sous-estimer nos adversaires parce qu'ils ont arraché les moyens. Et justement, ça a été justement, j'ai oublié, ça a été justement un édigement justement sur la question des moyens que possède Rachid, etc. Ses relations avec le Qatar, avec Doha, etc. Et ça, c'est une question des moyens, ça a été permanent. L'un de l'un de une politique de Hamra, qui les paye, d'où viennent leurs ressources, etc. Donc, il y a une question ni l'un, ils sont armés de moyens. Et à Rachid, on n'a pas les moyens, on n'a pas les, leurs moyens. Donc, c'est comme si le combat est inégal. Et donc, c'est pour ça, justement, je suis en train de dire, justement, il y a la conviction, il y a le combat politique, et oui, justement, il y a la vérité, ou la Kabylie, on doit la protéger. Parce que, nous avons au moins les moyens, on peut dire, sur un plan intellectuel, sur un plan de relais, etc., il y a une certaine élite qui doit jouer son rôle pour protéger la Kabylie, justement, de l'invasion des idées rétrogrades, de l'islamisme, etc., parce qu'il y a de l'infiltration, il y a de l'intrusion, il y a des virus qui sont inoculés quelque part, ça a quelques idiots utiles qui sont utilisés, et la Kabylie, l'élite kabyle, les intellectuels doivent faire, doivent leur faire barrage. Et oui, d'asnichmioun à barrage, et oui, d'ekni, ni bras ni changer l'identité politique de la Kabylie. La Kabylie est d'essence laïque. Donc, un islamiste n'a pas droit de citer en Kabylie. Parce que si tu changes l'identité de la Kabylie, ça veut dire c'est terminé. L'Algérie pourrait sombrer aussi dans le chaos, dans l'islamisme. Et d'ailleurs, des années 90, qu'est-ce qui a protégé l'Algérie de sombrer dans le chaos de l'islamisme? C'est la Kabylie parce qu'elle n'a pas voté islamiste. Voilà, Rachid. C'est très important de le souligner. Donc, justement, d'où justement, d'après l'intervention de Saïd Zadi, et oui, t'as dit, justement, par rapport au complot qui est contre la Kabylie, que la Kabylie doit avoir ses institutions. C'est-à-dire, nous devons insister et répéter, mais rare mille fois, Billy, l'alternative pour qu'il y ait possibilité que la Kabylie s'en sorte, il faut y aller vers l'esprit de la Soumam, c'est-à-dire aller vers la constitution qui va consacrer et on peut dire construire, on peut dire les institutions au niveau des régions, c'est-à-dire la Kabylie et oui, d'être ses propres institutions et oui, d'être son propre gouvernement et oui, d'être son propre parlement et oui, qu'il y ait un nique et oui, et surtout Rachid d'investir dans le système éducatif. Parce que tant que l'arabisation, la Kabylie sera toujours en danger, parce que c'est l'arabisation, il a pour finalité l'assimilation. On veut tuer la culture kabyle, on veut tuer l'esprit amazir, on veut tuer cette liberté, on veut tuer cette, on peut dire cette, cet esprit là qui va permettre réellement au fond d'instaurer une démocratie et de s'éloigner totalement de cet esprit-là obscurantiste et totalitaire. Donc c'est pour ça justement ça il a parlé de cet esprit totalitaire justement par rapport à ces islamistes-là et donc oui dit justement à Rachid d'y aller débattre approfondir principalement en Kabylie même si moi personnellement je suis pour à ce que justement tout ce qui peut être bon en Kabylie peut être élargi ailleurs, mais les autres régions, c'est à eux de militer chacun à son niveau pour Ishawin, Widin Naron, Bekin Tashawit Nsen, Belek, donc Tamazir, le système de vision, et Widin Naron, Iwakin, pour contrecarrer justement l'arabo-islamisme. Donc la Kabylie, et oui, justement, approche vers ses propres institutions, et c'est la seule solution pour sauver la Kabylie, et oui, justement, elle doit vers une convergence. Justement, des acteurs, de l'élite, des intellectuels, de Mourt al-Qbayel, et oui, d'inhibis, justement, ces luttes arrachées intestines, ni l'un hier, les acteurs au niveau de la Kabylie, d'ouerayoun, et qbelioun an islamiyoun, pour qu'on soit nos ennemis, pour se neutraliser. Et oui, d'youn ad difiqiyoun, belli, de Mourt al-Qbayel, il n'a qu'une seule solution, justement, c'est de s'unir pour un projet qui va la sauver. Et il n'y a que. Y aller vers un système d'autonomie ou d'un statut spécifique de la Kabylie pour avoir
ses propres institutions, et c'est là où réside la solution. Sinon, je ne vois pas d'autre solution pour la Kabylie. Akarachid, Achouz Mraï, Dixiwun, par rapport à l'intervention de Saïd Sadiès, certaines révélations par rapport à la police politique, Amchitoula, la Kabylie, et comment il manipule. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'y aller vers plus de décentralisation et d'y aller vers la récupération maximum possible de prérogatives ou que Thamour Tlaqbaïla tsaou justement ses propres institutions ou que Nzmer justement a des souffres de la crise. Voilà, Rachid, à chose ma dernière, le Thim Sirin, ni l'un de Dixiwan, de l'intervention Saïd Saïd. Tanmi Thakamal, Thigam Thamou, Thakamal, Amari, ديما يتشوغ على الدول تاكيغي الناس تموت القبائل ذو لا قرار تسعو تود سيوين الناس لي زانستيتيسيون الناس وراني المي بوكو لاكسون في السيستم ايديكاتيف ذو لا قرار تموت القبائل انت فايس الحون انك غاو اغون فيزي الناس نو سيغمي دابا كي تمو لي يعني تي كيو 5 نساهم هذا ملي ندير يقوي فاز النار سي قبائليين وكني ان مجازيك في السميك السميك كي c'est les institutions dans un statut politique qui montre le Kabyle à Tijen à Tselhou Imanis Simanis. Donc qui connaît le droit en le mahna technique qars les manazem mashkoum mathla montre le Kabyle tamazgha yebqa yhloun isya gazdat qui connaît nous cette guerre sulta qui est une fikar et vidéo qui est un docteur Saïd Sadi di Fornas qui le 13 octobre c'est le gotona mainouth ن أسنقذ تيكوسان كون دينا قيمة ذي ثلويث